dit-elle. Ton intellect, non. Donc je ne suis pas mon intellect. Alors qu'est-ce que tu es? Bien ce qui reste. J'ai été le dernier chauffeur du comte Chelsea. Je l'accompagnais à la mer, au concert, chez ses amis. Je l'attendais dehors. Quand il avait fini, je le raccompagnais chez lui. Mi ricordo il conte Chelsea che c'aveva un udito molto fino. Je me souviens que le conte Chelsea avait une oreille très fine. Il portait même des bouchons dans les oreilles. Un jour, il m'a appelé et m'a dit: Salvatore, viens ici. Écoute, derrière moi, sur la droite, à un mètre, j'entends un bruit. Mais à vrai dire, je n'entendais rien du tout. Au bout du compte, je suis allé vérifier. Et oui, effectivement, il y avait bien un bruit, mais pour l'entendre, j'ai dû m'approcher de très près de sa source, tandis que lui, il l'entendait même de loin. Et lui le sentiva a distanza. Un giorno mi trovavo in terrazza col conte, nel mentre che io pulivo il giardino, diciamo, studiavo i fiori. Un jour, je me trouvais avec le comte sur sa terrasse, et pendant que je m'occupais du jardin et des fleurs, il m'a dit: Ah, Salvatore, tu t'occupes de ce jardin, de cette terrasse avec tant d'amour, et Dieu sait qui va en profiter. Je lui ai répondu: Ne dites pas ça. Ah, Salvatore, m'a-t-il dit, quand la date sera faite de 8, le moment de ma fin sera venu. Mais pour l'amour du ciel, comte, que dites-vous là? Mais malheureusement, il aimait tellement la mer, il y est allé une dernière fois, et ensuite je ne l'ai plus vu. Wenn der Mensch seinen Kopf an den Boden hält, wenn die Ohren an die feuchte Tonerde presst, kann besonders an solch stillen Orten, sein eigenes Keuchen hören. Seine nicht enden wollende... La semaine prochaine, Musica vous propose une version des Noces de Figaro quelque peu revue et corrigée par le Music Theatre de Londres. Un vent de folie douce soufflera sur l'œuvre de Mozart. Puriste s'abstenir.
Les Noces de Figaro, mercredi prochain dans Musica. Dans les hauts plateaux de l'Himalaya sont leurs racines. Mais depuis 40 ans, la liberté est pour eux synonyme d'exil. Et aujourd'hui, 7,5 millions de Chinois menacent leur identité. Théma retrace l'histoire de l'une des dernières grandes cultures archaïques, s'interroge sur sa situation actuelle, ses traditions et sa nature profondément religieuse. Et avec le Dalai Lama, débat d'une alternative non violente entre résistance et résignation. Tibet, la volonté de vivre, votre soirée Théma, demain sur Arte. Guten Abend, bonsoir. Die 30er Jahre zählten zur fruchtbarsten Periode des französischen Kinos. Les années 30 furent l'une des périodes les plus productives du cinéma français. Le film Gribouille de Marc Allégret en est le témoignage. Gribouille, c'est Camille Morestan, un boutiquier parisien, bon père de famille. Un jour, il est appelé à la cour et désigné comme juré pour une session des assises de la Seine. L'affaire qu'il a à juger est un crime passionnel. L'accusé est une femme enfant, Michel Morgan dans son premier grand rôle au cinéma, un charme à la fois mystérieux et agissant auquel le boutiquier ne reste pas insensible. Camille, subjuguée par sa beauté et sous les yeux de sa propre épouse, va l'accueillir dans sa maison. Aveuglée par une très forte affection, Camille, interprétée par Rému, ne veut pas se rendre compte que son fils et cette femme sont tombés amoureux. Et soudain, sa vie de famille, jusque-là harmonieuse et paisible, bascule. Parmi les 124 films français produits en 1937, il y a certainement des œuvres plus importantes, comme La Marseillaise de Renoir, J'accuse d'Abel Gance ou Drôle de drame de Marcel Carné, pour n'en citer que quelques-unes. Mais même si à côté de Fanny et Lunegarde, Gribouille est considéré comme une œuvre marginale du cinéaste, Marc Allégret y réussit une attachante peinture du milieu petit bourgeois de l'époque, tantôt humoristique, tantôt émouvante. Le cinéma français des années 30 était aussi celui des monstres sacrés. Et Gribouille en est le reflet, car vous verrez Rému face à la sublime Michel Morgan, une accusée à la fois inquiétante et ambiguë. Si ambiguë. Une première interprétation très réussie qui la lancera vraiment au cinéma. Alors, très bonne projection.